Mes amours, frottez ceci sur les varices et je vous promets qu'elles disparaîtront pour toujours. Coucou mes amours, bienvenue sur votre chaîne Marie Léonie Coach. Ici, vous trouverez tous les remèdes naturels et toutes les réponses à vos questions sur la santé sur tous les plans. Alors, si tu n'as pas encore rejoint cette belle communauté Marie Léonie Coach, je me demande bien ce que tu attends pour le faire. Alors abonne-toi et n'oublie surtout pas de cliquer sur la petite icône là en forme de cloche de notification. Comme ça, tu es sûr que tu auras toutes mes vidéos tous les jours dans le colis. Par contre, pour ceux et celles qui font déjà partie de cette extraordinaire, belle, magnifique famille Marie Léonie Coach, je vous remercie énormément du fond du cœur pour tout le soutien dont vous me témoignez tous les jours et les encouragements évidemment. Alors, je vous invite, que ce soit nouveau ou ancien, à me faire un petit coucou dans les commentaires en mentionnant tout simplement le pays depuis lequel vous me soutenez et m'accompagnez. Cela me donnera une petite idée de la diversité qui me suit. Également, je pourrais vous souhaiter encore personnellement la bienvenue et vous remercier encore personnellement. Alors, quelque chose d'important, rassurez-vous que vous likez toujours la vidéo avant de la regarder, ok mes amours? Bien, aujourd'hui on va parler de quelque chose, je ne vais pas dire intéressant parce que c'est pas quelque chose de joli, c'est quelque chose qui cause même de l'anxiété. Vous vous souvenez quand je vous demande souvent de ne pas vous laver avec de l'eau chaude, que vous soyez en Europe ou pas, parce que c'est vrai en hiver il fait très froid, du coup on a tendance à se laver avec de l'eau chaude. Mais l'eau chaude n'est pas bien parce que l'eau chaude empêche la circulation sanguine dans le corps, ça permet de former des caillots dans le sang, ok? C'est pour ça que je vous demande juste de faire attention avec l'eau chaude sur le corps, parce que l'eau chaude est l'une des raisons, l'une des causes des varices ou alors de la sortie des veines sur votre peau. Parce que les veines normalement sont causées parce que le sang ne circule pas bien. Comment opèrent les veines et les varices sous votre peau, mes amours? Vous savez, les signes des varices ou alors des veines sur votre peau sont les signes en fait d'une complication circulatoire. Ceci veut tout simplement dire, comme je le mentionnais plus haut, que le sang ne circule pas bien dans votre corps. Les varices apparaissent généralement quand les artères et les veines se dilatent, soit par un état inflammatoire ou alors la accumulation du sang dans les parois due à la faiblesse des parois sanguines. Ils sont tout simplement remarquables par leur couleur violette ou alors rougeâtre. Vous allez voir des varices, certaines sont grosses, certaines sont minces, certaines sont extra fines, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment ancré dans la chair mais c'est encore sous la peau. Du coup, les varices sont considérées comme un problème esthétique qui affecte tout simplement l'image de la femme. Mais bon, ceci dérange moins les hommes. On ne retrouve pas trop ça chez les hommes, mais il y en a des hommes qui souffrent également de ça. Mais en majorité, en pourcentage élevé, ce sont les femmes. Vous savez tous généralement où est-ce que les varices apparaissent. Généralement, c'est derrière les mollets, voilà, derrière les genoux. Généralement, c'est là où les varices apparaissent. C'est vrai, il existe une grande variété de produits cosmétiques qui traitent des varices et tout. Mais ce matin, moi, je viens avec une ordonnance naturelle, ok, pour vous faire un remède, pour vous monter un remède. Vous allez frotter là-dessus. Vous allez faire des massages en forme circulaire et vos varices vont disparaître. Les résultats sont garantis à 100%. Donc avant que je ne me lance dans la recette, rassurez-vous, soyez des personnes généreuses. Pensez à partager cette vidéo parce que je suis sûre que beaucoup de personnes ont ce genre de problème. Alors partagez dans tous vos groupes WhatsApp, amis et famille afin que cela puisse aider beaucoup de personnes. Ok? Alors avant qu'on ne passe à l'ordonnance dont je viens vous présenter ce matin, rassurez-vous que vous avez bien liké la vidéo, que vous avez activé la cloche de notification. Comme ça, vous êtes sûr que quelle que soit la vidéo que je mettrai en ligne à la vidéo, vous serez au premier des loges à être informé. Ok mes amours, on va se lancer dans la recette naturelle, dans l'ordonnance magique dont je reviens avec ce matin. Ok, alors regardez la vidéo jusqu'à la fin pour ne louper aucun détail et pour éviter des questions dont j'aurais déjà fait allusion dans la vidéo. Ok mes amours, alors pour faire notre remède magique comme je vous avais promis, vous allez frotter ce qu'on va obtenir à la fin sur vos varices et elles disparaîtront en quelques jours. Alors comment allons-nous faire ce remède magique pour enlever les varices sur votre peau, ceci étant le résultat d'une interruption dans la circulation sanguine comme je vous l'ai mentionné plus haut? Lorsque vous allez faire votre massage avec ce mélange puissant sur les varices, ok, vous allez non seulement améliorer le fonctionnement de la circulation sanguine dans la zone affectée par les varices, mais ce remède puissant naturel va également tout arranger sans provoquer des réactions indésirables. Alors pour ceci, nous aurons besoin de l'huile d'olive extra vierge que voici. L'huile d'olive est capable d'atténuer la douleur des veines et diminuer également les varices. Un autre ingrédient de cette recette qui est puissant et précieux contre les varices et qui est
considéré comme un anti-inflammatoire naturel et puissant au monde contre les varices et les traitements des peaux est connu sous le nom de la poudre de curcuma. Enfin, notre troisième ingrédient que voici, le gel d'aloe vera. Ok mes amours, ici j'ai préféré prendre le gel d'aloe vera prêt à l'emploi. Mais vous pouvez également prendre son jus directement de sa plante. D'ailleurs, je vous le conseille à 100%. L'aloe vera est un incroyable hydratant et cicatrisant. Ok, en plus de faire disparaître les veines germées par les varices, elle va également adoucir, nettoyer votre peau de telle sorte que cela ne se reproduise plus. Alors, rassurez-vous de mettre dans notre mixeur une cuillère à soupe d'huile d'olive, puis une cuillère à café de curcuma, puis le jus de l'aloe vera extrait. Nous allons mettre tout ceci dans ce mélangeur. Ensuite, nous allons le passer au mixeur. Après l'avoir fait passer au mixeur, nous allons le faire passer au beurre marine jusqu'à ce que ce soit complètement assez chaud. Voilà mes amours, vous avez bien suivi le processus jusqu'à la fin. Voilà, après tout ce que nous avons passé au mixeur, nous avons mis au bain-marie jusqu'à ce que ce soit bien chaud. Comme je le disais tantôt, quand vous avez passé l'étape de passer au bain-marie, vous prenez un coton, ok? Vous appliquez votre remède magique, voici, sur les zones à traiter et affectées par des varices. En faisant tout simplement des massages circulaires, des massages doux, ok? Vous faites des mouvements circulaires pendant que vous massez. Bien vouloir répéter ce processus quotidiennement, très important. Faites ce mélange quand vous voulez l'utiliser, ok? Car il ne se conserve pas au réfrigérateur. Je réitère mes propos, sinon les questions vont pleuvoir dans ce sens-là. Ce mélange ne se conserve pas au réfrigérateur. Je vous conseille même de l'utiliser toute la journée. Vous prenez le temps, vous massez, vous revenez, vous ajoutez, vous faites ceci toute la journée. Vu que de toutes les façons, il ne se conserve pas au frais. Alors, autant mieux maximiser et capitaliser. Ok? Voilà mes amours, c'était tout pour ce matin. J'espère que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère également que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez-moi un maximum de likes, un maximum de pouces en l'air. Ok mes amours, je vous promets que cela m'a fait énormément plaisir de vous voir ce matin. J'espère que c'était également réciproque de votre côté. Alors si c'est le cas, mentionnez-les moi en commentaire pour que je puisse être ravie. Surtout likez la vidéo, pensez à commenter également. Si vous êtes des personnes qui n'aiment pas commenter, c'est pas grave, envoyez-moi tout simplement de l'aloe vera, je sais pas moi ce que vous voulez, ce que vous préférez, le fruit que vous préférez, envoyez-les moi en commentaire. Comme ça je saurai que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Pensez à partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux, dans tous vos groupes WhatsApp, à vos amis et famille. Surtout, très important, vérifiez bien que vous avez activé la cloche de notification. On se dit à très bientôt dans une autre astuce magique. D'ici là, mes amours, prenez grand soin de votre santé, ok? Avec les changements de climat, on a tendance à attraper des rhumes et tout. Donc, faites attention, prenez grand soin de votre santé parce que je vous veux en santé. On se dit à très bientôt, mes amours. D'ici là, bisous, bisous.